Au cours de son entretien avec le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Akonjo Touadéra, le diplomate chinois est revenu sur les efforts entrepris par la République centrafricaine et la Chine dans différents domaines de développement. Tout d'abord, je porte le message de Nouvel An chinois au président de la République, chef de l'État. Et puis après, j'ai aussi bien sûr discuté avec Monsieur le Président ce qu'on a à faire en l'an 2019. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a saisi cette opportunité pour rassurer le chef de l'État du soutien de son pays dans l'œuvre de redressement en cours de la République centrafricaine. Pour votre information, en l'an 2018, au mois de septembre, il y avait le sommet sino-africain sur la coopération. Et votre président y a participé dans ce cas-là pour comment faire la réalisation de cette visite. Et c'est un grand sujet que j'ai discuté avec Monsieur le Président. Il faut dire que l'audience entre les deux personnalités s'est déroulée dans une parfaite ambiance de cordialité et de compréhension mutuelle.